Ça commence.
intéressant. Tout est intéressant. C'est quoi déjà? Tu soignes le cœur des gens. Comme un médecin? C'est un médecin. Ah non, je veux pas soigner le cœur des gens, moi. Je veux pas soigner les gens, j'aime pas soigner, j'aime pas les gens. Je vous l'ai déjà dit. C'est pas moi qui décide. Il y a pas 3 semaines, j'étais généraliste. Cool. Ah non, pas cool. Les gens te racontent leur vie en te montrant leurs croûtes et leurs tumeurs. Ils n'ont aucune pudeur. Ils te parlent comme si tu les écoutais, non merci. Je préfère encore livrer des pizzas. Au moins les gens ne s'intéressent pas à toi. Et toi, tu t'intéresses pas à eux. Bien. Les médecins des morts, c'est pas possible. Médecins des morts, ça existe. Celui qui soigne des morts, là. Médecin légiste. Voilà. Ah oui, j'ai été médecin légiste une fois. Je me suis bien marrée. Ben voilà. Soigner le cœur des gens, je veux bien. Les guérir même, si vous voulez, mais les vivants, franchement, ils sont pas supportables. C'est pas pour moi, les vivants. Donc, on part sur les pizzas. C'est quoi le temps? Pluie toute la journée. Hé, au moins, cardiologue, t'es à l'abri. Alors, elle se décide. Ben, faut dire que c'est pas facile. Soigner le cœur des gens au sec ou livrer des pizzas sous la flotte, ben c'est pas pareil. On sait que c'est pas pareil, c'est justement pour soi qu'on lui demande de choisir, parce qu'elle a encore la chance d'avoir le choix. Et elle sait qu'ils sont de moins en moins nombreux à avoir le choix. Oui. Oui quoi? Oui, elle sait. Alors? Ben au sec, enfin cardiologue. Bien. Elle va se préparer. Hop, 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 hop. Tu viens d'où, toi? Du boulot. À cette heure-ci. En tant que patronne de boîte. Fallait bien que je ferme. Boîte de quoi? Lui. Encore? Mais pourquoi c'est toujours elle qui est patronne de boîte de lit? Pourquoi c'est toujours elle qui est alcoolique? Les mêmes. Toujours les mêmes pour les meilleurs. Tout. Thank you.
sent bon. Bien. Alors, pardon, mais... Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Chut. Chacun son tour. Alors. À part l'alcool, c'est quoi que tu sens bien? Allez dormir. Ah, mais tu peux pas, c'est pas possible. Mais là, je suis lourde. Et si tout le monde fait comme toi? Et si tout le monde se couche quand le jour se lève? Et si tout le monde se met dans ton état? Il marche comment, le monde? Pas très bien. Peut-être... Et les autres? Tu y as pensé? Peut-être que les autres aussi aimeraient. Rester arrivassé sous la couette. Oh, On peut? On peut pas, non? Est-ce qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a? J'entends pas. Oh, oui. Oui, quoi? Oui, elle se rend compte de la chance qu'elle a. Elle veut nous quitter? Non. Elle veut travailler? Oh, oui, elle veut travailler. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Pelote! J'aime mieux ça. Allez, le bus te déposera avec les autres au terminal. J'en profiterai pour aller dormir. Toi? Oui? Oui? Sophie? Arrête de te ramener à moi. Tu es prof? Encore? C'est pas moi qui décide. Ah non, non, pas prof. C'est bon, fini, prof. Prof où? Prof ou rien. Comment ça, prof ou rien? C'est quoi l'autre choix? Toi, t'as pas d'autre choix, tu peux faire que prof. Mais pourquoi? J'en sais rien, moi. Pourquoi, prof? Mais parce qu'il en faut. Mais j'étais 3 jours la semaine dernière, 3 jours. 3 jours, la vache. Oh, c'est vrai que c'est pas de bol. C'est pas de bol. Oh non, 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 non. C'est pas vrai, mais pas pour dire, mais elle a raison. C'est tout beau, tout beau, tout beau, les mêmes qui ficolent. Moi, la semaine dernière, j'ai pas fait 2 journées entières à répandre des pesticides sur des fentes de maïs. Avec le vent, ça me revenait dans la gueule, ça m'a brûlé les yeux. La nuit, j'avais des brèves dans la gorge. Je suis pas sûre que ça intéresse grand monde. C'est pour dire que c'est toujours les mêmes qui font les fales peurs. Tout est intéressant. Enfin là, bouffer des pesticides. Ça suffit. Les yeux qui brûlent, les braises dans la gorge, c'était hier, ok, hier. Et vous le savez pourtant, hier n'existe plus, demain n'existe pas. La vraie vie, c'est aujourd'hui. J'entends pas. Hier n'existe pas, demain n'existe pas. La vraie vie, c'est aujourd'hui. C'est pourtant pas compliqué. Quoi? Pardon? Je voudrais bien savoir ce qu'elle va faire de nous, la vraie-vie, aujourd'hui. C'est qui, toi? J'aime bien. 18-4-3-6. 18-4-3-6. Tatoueuse. Wow, wow. Tatoueuse? Cool, merci. C'est pas moi qui te remercie. Va te préparer. Tatoueuse? Pardon, mais quoi? Qu'est-ce que je... Ça, c'est un vrai métier. Comme me l'a dit. Tatouer, c'est ça que je veux faire, moi. Alors, quoi? Ma maladie? Mais elle va nous emmerder longtemps après sa maladie. Elle ne voit pas que je suis occupée. Son tour. Recule. Pourquoi je suis pas tatoueuse? Parce que t'es prof. Mais c'est impossible, un boulot impossible. Je sais de quoi je parle, vous n'avez pas un truc possible juste pour aujourd'hui? Bon, prof, c'est pas le pire, hein. Ah ouais, t'as déjà été prof, toi? Non, mais j'ai des vœux, là. J'en pas le rapport. Là, quand t'es avec tes bêtes, tu t'imposes, t'as pas le choix. Faut qu'elles sentent, les bêtes, que c'est toi la patronne. Les animaux, faut les dominer. C'est physique. Et ben, les élèves, c'est pareil. Ah ouais, tu m'aides beaucoup, là. Et prof de quoi? D'histoire géo. Oh, bon, 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 bon. Tu fais prof d'histoire géo? Et moi je fais tatoueuse. Tu veux bien?
échanger? Tu sais que c'est pas possible. Mais si elle est d'accord? On ne peut pas échanger. Ah, et si on essayait, on l'a jamais fait. Ça se trouve, c'est super d'échanger entre nous. Mais si tu veux, demain... Oh! Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire aujourd'hui, imagine. On échange, on se rend service. Tiens, on pourrait se rendre service, non? Se rendre service? Pourquoi? Bon, on est là pour travailler, on n'est pas là pour se rendre service. Ah, non. Allez, juste aujourd'hui. Désolée, il me faut que j'ai un truc bien. Elle pouvait peut-être tatouer ses élèves. Ou à ta place, je ferai moins la maligne, toi la tatoueuse, va te préparer. Et toi aussi. Non, pardon, m'en fous, j'irai pas. Va te préparer. Non, je ne voudrais plus les pieds dans ces bails pourris. Les élèves ont besoin de toi. Ils peuvent crever la gueule ouverte, les élèves, je ne peux plus les voir. Des feignants, des incultes, élevés au gras, au sucre et à l'image. Et plus c'est inculte, et plus ça ramène sa grande gueule. Ça, c'est pas écrire, mais ça la ramène. Tous assis sur leur certitude et leur gros cul d'enfant. Gâtés par des parents débiles qui n'ont aucun sens de l'éducation. Qui font des gosses comme on chie des merdes. Et qui s'en débarrassent dans nos classes, ficelés dans leurs fringues de marque, avec un smartphone dans chaque main. Parce que ça, les téléphones et les marques, c'est leur raison de vivre. Leur Graal, leur Nirvana, à ces futurs phares de la pensée. Faut que ça pète dans la marque et faut que ça sache, si possible avec le dernier téléphone à la con qui vaut la moitié de mon salaire. Et si tu leur dis que ça coûte un bras à leurs parents et que c'est fabriqué par des gosses, mais des gosses eux qui n'auront pas eu d'enfance, faut voir comme ils s'en foutent, mais d'une force herculéenne. Du moment qu'ils peuvent passer leur week-end à user les miroirs des magasins de fringues et à se faire des selfies, tout va bien. La question, c'est pas quelle planète on laisse à nos enfants, mais quels enfants on laisse à notre planète? C'est ça la question, bordel. Et c'est à eux qu'on va la laisser, la planète. À eux qui photographient leur tête pleine de vide. Et ils ont des égos tellement énormes que c'est tout juste s'ils arrivent à passer la porte de la classe. Et là, une fois posés sur leur grosse certitude, à peine tu commences ton cours que déjà ça baille, ça s'affale, ça joue avec son téléphone. Et si tu as le malheur de leur dire qu'ils pourraient être un peu plus respectueux du machin derrière le bureau qu'on appelle un adulte, et accessoirement un enseignant qui est là pour leur transmettre des connaissances dans leur intérêt qui pourront faire d'eux des hommes et des femmes à l'esprit plus ouvert, plus critique, plus cultivé et donc plus libre. Eh ben faut voir comment ça répond, et que ça remet en question, et que ça exige, et que ça menace, et que ça se frappe, et que parfois ça passe à l'acte. Alors qu'est-ce que ça mérite? C'est qu'on leur foute à tous la tête dans l'eau de la baignoire. Le cul mordu par un singe vert. Qu'est-ce que ça mérite? Et des coups de mousse de pieux sur les tibias. Alors il la ramènera peut-être moins à leur grande gueule, ces petits connards d'enculés de gosses pourris. Je crois qu'il faut pas qu'elle prenne foi claire. Bien. Et ils croient tous qu'ils vont devenir des stars, ces connards. C'est pas mal, ça. Tout est intéressant. Mais fais n'importe quoi. Est-ce que j'ai été une star, moi? Combien de fois j'ai été une star dans ma vie? Combien? À mon avis, pas assez. Jamais, t'es une star, moi. Tu peux très bien vivre ta vie sans être une star. Moi, par exemple, j'ai jamais été une star. Toi, évidemment. Qu'est-ce que tu compares? Mais moi, j'aurais pu, parfaitement. J'aurais pu être musicienne, par exemple. J'adore la musique. Je ne suis pas sûre que ça intéresse grand monde. Pourquoi j'ai pas été musicienne? Même dans une fanfare, j'ai pas été. Même à la grosse caisse. La grosse caisse, c'est pas compliqué. Fais quand même le truc à la portée du premier con qui parle. J'ai été à la caisse. Exactement. J'ai même pas été foutu d'être à la grosse caisse. J'ai même pas été foutu d'être à la grosse caisse. Bon, allez. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. En attendant, va te préparer. Vous l'avez rien, vous l'avez rien. Rien de problème. Pardon, non. Et elle en veut? Non. Et elle se prend pour qui? Pour personne, pardon. Elle faisait quoi? Manutentionnaire. Elle pliait des cartons dans... Je ne suis pas sûre que ça intéresse grand monde. Mais elle n'a pas été foutue d'être un grand... Ton bras... Thank you.
Alors, aujourd'hui, tu es punk à chien. Punk à chien? Mais quoi? Bah, la semaine dernière, j'étais cuisinière. J'étais bien. Puis d'un coup, je me retrouve à plier les cartons. C'est pas bien de plier des cartons? Mais si, si, c'est très bien de plier des cartons. Mais là, punk à chien, tu veux qu'on tire un trait? C'est ça que tu veux? On tire un trait? On y va? Non, je veux pas qu'on y aille, je veux pas qu'on tire un trait, je veux juste un boulot, un vrai boulot. Parce que là, c'est pas vraiment un boulot, plein de chien. Il y en a de plus en plus, à croire qu'on en a besoin. Aujourd'hui, il n'y a que ça pour toi. Allez, va te préparer. Quoi? Bah, je fais comment pour les chiens? Quel chien? Les chiens, j'ai pas de chien, moi. On fait comment pour le chien? Ok. Toi! Tu fais chien! Tu fais le chien de peindre un chien! Mais attendez, je peux pas là! Bien sûr qu'on peut! Mais vu que là, j'ai toujours été une femme! Mais va aller! Ben jusque-là, on ne pouvait pas. Jusque-là, c'était hier, on ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, c'est possible, c'est comme ça. C'est le grand malheur. Là où tout, c'est possible, c'est comme ça. Peut-être qu'hier, c'était mieux. Mais peut-être que demain, ce sera pire. Alors, aujourd'hui, on a besoin d'un chien. Et c'est toi qui vas le faire. Non, mais je ne peux pas. Et pourquoi? Parce que je suis une... Je ne suis pas une fille, tout simplement. Mais quoi, toi? Une femme, comme vous. Ah, je ne suis pas sûre que tu sois comme moi. Et je ne suis pas sûre que tu sois une femme. Vous voyez une femme, vous? Non, oui. Non, j'entends pas. On dirait que non. Pour moi, une femme. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour rester dans le grand manège. Qui est prêt à tout pour garder sa place pour elle et pour sa famille. Mais là, je ne vois pas une femme. Je vois une pleureuse. Elle veut quitter le grand manège, la pleureuse. Je veux pas d'y faire. Ça va trop vite. Ça va trop haut. Elle veut descendre. Non! Non! Non, elle ne veut pas défendre du manège. Sautant, j'imagine.
tu veux, un que tu aimes bien. Mais pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça. Mais j'ai bien bossé, vous l'avez dit. J'ai dit oui, alors. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est le monde qui a changé. Depuis hier. Depuis toujours, il change. Sauf qu'avant, il changeait moins vite. Oh, mais je peux pas. Une grande fille. En pleine. Allons. Je ne peux pas sauter d'un trou. J'ai une famille. Mais tout le monde a une famille. La tienne aura des indemnités. Mais évidemment. Bon, enfin. Mais dans quel monde tu vis, toi? Mais autrement, c'est ma vie. Eh bien, ce sera la vie d'un autre. C'est quoi la raison? Mais on s'en fout de la raison. Mais je pourrais t'en donner mille des raisons. Ça ne changera rien au fait que tu vas sauter. C'est comme ça. C'est le grand manège. La roue tourne. Le monde change. C'est quand même pas moi qui vais sauter à ta place. Il y a quelqu'un qui veut sauter à sa place. J'entends pas. On dirait que non. Yeah. Moi, non, je saute pas. Tu sautes pas? Non. Elle saute pas. Ok. Tu vas dans la forêt. Dans la forêt? Tu veux pas sauter? Tu vas dans la forêt. Et ta famille n'aura rien. Aucune indemnité, que dalle, zéro. Par contre, on va s'en occuper de ta famille et d'une autre manière. Oh, mais c'est dégueulasse. Ah, j'entends bien. Pas de ça, pas ici. Tu chialeras en haut de ton poste si tu veux, mais là, un peu de décence. Parce qu'elle chiale, elle. En même temps, elle sait pas encore. Pas encore quoi? Chut. Mais c'est pas normal. Ah, parce que toi, tu sais ce qui est normal. C'est pas une question de normal ou pas normal, c'est une question d'avoir le choix ou pas. Et toi, le choix, tu l'as? Non, tu l'as pas. C'est pas moi qui fais les règles, hein. Un jour en haut, un jour en bas. Allez, file. Et si on attendait demain? Oh! Mais c'est pas vrai, mais nom de Dieu! Mais qu'est-ce que vous avez tous? Tant que c'est pas hier, c'est demain. Il faut vous expliquer ça comment? Hier, c'est très loin, et demain, c'est très loin aussi. Vous savez, vous, de quoi demain sera fait? Moi non plus, je ne sais pas. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Certains demain, c'est très loin. Pour d'autres, inaccessible. Alors, toi, tu vas monter en haut de ton putain de pont et tu sautes. Aujourd'hui, tu as compris. File. Tu y arrives toujours. Pense aux gens que tu vas faire travailler. Pense à ta famille. Oh,
famille. Tu ne pouvais pas te taire, toi. Non, mais je voulais dire, pense aux indemnités qu'aura ta famille. Chef, il y a le bus qui arrive. Ouh, allez, ma grande. Estime-toi heureuse d'avoir encore quelque chose à faire. Allez, va te préparer. Elle va faire quoi? Bah, qu'est-ce qu'il veut qu'elle fasse? Elle va sauter. Alors, toi? Oui. Aujourd'hui, tu es amoureuse. Oh! Wow. Amoureuse encore? Faut croire qu'il n'y a pas d'âge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je rappelle juste qu'elle est encore amoureuse et que moi, je suis toujours pas petit stangéo. C'est un boulot, ça, amoureuse. Faut croire qu'on en a besoin. Tu veux pas y changer? Oh, mais c'est pas vrai! Je pourrais pas être amoureuse à sa place. Une fois. Et toi, tu prends ma place, c'est ça? Juste une fois, tu verras, ils sont très très sympas. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas été amoureuse. Tu veux bien changer? Mais non! Allez, juste une fois. Hé, hey, t'as dit non! Tout ça parce qu'elle pue le cul! Pardon! Qu'est-ce que tu as dit? Elle a dit qu'elle pue le cul. Mais c'est quoi ce langage-là? Elle nous fait des trucs, c'est ça? Je suis sûre que tu leur fais des trucs. Les limites. Attention! Les limites! Alors pourquoi elle n'arrête pas d'être amoureuse? C'est vrai que c'est souvent. Il y en a peut-être qui sont venus pour l'enseignement et d'autres pour l'amour. Moi, perso, l'école, ça n'a jamais été mon truc. Prof! Je ris parce que je suis amoureuse. Tu vas leur faire mettre dans la gueule, la prof! Salope! Ah! C'est pas qu'on est contre, mais on va être en retard.
On va voter. Voter encore? Voilà déjà. C'est nul. Ça sert à rien. C'est toujours pareil. Mais cette fois, on va voter pour de vrai. Tu es d'accord, Sophie? Ça dépend. Pourquoi? Alors, qui vote pour que Sophie aille chercher du bois dans la forêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une voix à Sophie! C'est ça, la démocratie! Tout le monde s'exprime. Et après, c'est toi qui vas chercher du bois dans la forêt. Accompagne-la. Pourquoi? Pourquoi que tu te perdes? Distribution terminée. Oui, monsieur. On a fait de notre mieux. Et demain, on pourra... Pardon, oui, monsieur. Bien, monsieur. Bonne journée. Thank you.
Excusez-moi si j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais si vous voulez, on peut se retrouver en bas à boire un petit verre ensemble, histoire de se saluer et de se s'occuper. On risque rien. Bah écoute, putain, ça tombe bien, pour l'instant, j'avais rien ce soir. Enfin, j'avais rien de truc, mais puis, ah putain. Et si, j'avais un truc, mais juste pour les plus tard. Baptiste. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai. Baptiste, tu me mets de la lumière sur le plateau parce que tu sais les services sont grillés. D'accord, oui, bah, alors je t'en ai envoyé. Comment ça, ils font la mise, viens. Tu récupères les escabeaux.